Moi, je suis 100% thé. Café, mais arménien. Merci beaucoup. Pour moi, on voit bien que la société est soumise à beaucoup de bouleversements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Puis là, il y a une grande forme d'instabilité aussi dans la société dans laquelle on vit. Toutes ces considérations supposent que on puisse intégrer la société véritablement dans son ensemble, mais aussi les citoyens pris de manière un petit peu individuelle pour répondre de manière collective à ces défis. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on n'est plus à l'ère où un problème égale une solution au niveau étatique, déployée de manière uniforme sur tout un territoire, ou bien la diversité de nos territoires, de nos sociétés. Et donc, il faut qu'on puisse pas faire du cas par cas, mais en tout cas prendre en considération la diversité et de nos territoires et de nos sociétés. Je pense que la démocratie, elle permet aussi à chaque citoyen d'avoir une place et un rôle à jouer, et il faut qu'on puisse inventer et mettre en place tout un tas de dispositifs pour, encore une fois, à ces défis globaux, internationaux, mais aussi nationaux, pouvoir avoir une réponse collective qui intègre tout le monde. On rentre dans un monde de transition dans toutes leurs composantes. Donc, il faut qu'elles soient écologiques, il faut qu'elles soient économiques. Mais si elles ne sont pas également démocratiques, c'est indépend et elles sont toutes combinées et combinables. Mais on ne peut pas faire de la transition écologique sans démocratie. On ne peut pas faire de la transition économique sans démocratie non plus. C'est là où les choix de l'avenir que nous souhaitons doivent se faire de manière délibérative, doivent se faire de manière ouverte. La manière dont se prennent les décisions par rapport à une crise sanitaire, ça, de manière opaque, sans débat démocratique, c'est juste pas possible en fait que ça se passe comme ça. Quelque chose d'extrêmement descendant, extrêmement infantilisant, avec juste un prisme qui est un prisme sanitaire. On sait qu'il y a d'autres crises qui arrivent, donc ce qui s'est passé en matière de démocratie sur la gestion de cette crise-là, c'est pitoyable. Qu'est-ce qu'on en apprend pour les autres crises qui vont arriver de toute façon? D'être sur cette démarche d'apprentissage permanent, c'est pas à dire voilà, si c'est des nuls, etc. Ça s'est passé comme ça parce qu'on a encore des réflexes qui ne sont pas ces réflexes de l'ouverture et de la délibération. Et sur un monde incertain, le monde volatile, incertain, complexe et ambigu, il n'y a plus d'experts. Il n'y a que des points de vue qui doivent être mis en circulation. Il y a évidemment des données scientifiques, mais il y a aussi des savoirs, il y a aussi des aspirations, il y a des désirs. Et c'est tout ça qui doit communiquer, qui doit délibérer, et de manière ouverte et transparente. Donc là, on est vraiment sur la démocratie des communs. Et il n'y a pas une personne ou un groupe de personnes qui peuvent décider tout seul, c'est fini ça. Il me semble qu'il est dorénavant presque acquis qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire de la politique de la même manière qu'on la faisait il y a encore quelques années ou quelques décennies. Il est, me semble-t-il, impératif sur les questions économiques, sociétales, environnementales, bien entendu, d'inclure aujourd'hui systématiquement cette dimension participative dans la construction et dans la mise en œuvre et dans l'évaluation ensuite des différentes politiques publiques. Il y a des belles initiatives qui sont menées à l'échelon national et local dont on peut s'inspirer. C'est dans le sens de l'histoire aujourd'hui. La démocratie, c'est la base de tout. Et on s'en aperçoit aujourd'hui avec la crise sanitaire, en fait. Il est vraiment important que la population s'approprie les gestes barrières, s'approprie les règles du confinement. Voilà, on ne peut pas imposer des idées, il faut vraiment que la population adhère. Si on veut réussir la transition écologique, environnementale, il faut vraiment que la population adhère à cette politique locale, donc qu'elle participe à son élaboration et qu'elle puisse bien entendu en comprendre le sens. Il est de mieux en mieux démontré que toutes ces dynamiques de démocratie locale, de démocratie participative, sont contributives à la résilience d'un territoire. Plus on se parle, plus on prend l'habitude de développer une culture de la participation citoyenne sur un territoire, plus on saura collectivement réagir à des crises qui nous mettent face à des situations inconnues où justement l'action collective est la clé, est une des clés de la réussite. Si
Ce réseau, bah, il est vraiment extra. Il a vraiment toute sa place dans l'apport pour des élus, pour des agents dans leurs travaux. Ça permet de croiser les regards, d'échanger sur des pratiques. On se sent vraiment moins seul et ça, c'est très important. Et puis pour la suite, ce que je pourrais attendre du réseau, c'est qu'ils mettent encore davantage en avant les possibilités de partage d'expérience. L'une des possibilités, ça serait par exemple d'organiser des voyages d'études où en groupe, on pourrait aller sur place, voir comment se déroulent les choses. Moi, je trouve que c'est essentiel. Si aujourd'hui, j'étais maire d'une collectivité, je demanderais à ce réseau de m'accompagner, d'accompagner la collectivité pour en faire une commune test ou en tout cas un lieu d'expérimentation, un lieu de pratique démocratique. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense qu'il faut savoir s'entourer et je pense que votre réseau est tout à fait à même de le faire et d'accompagner des collectivités, notamment des collectivités rurales, dans cette démarche qui sont très constructives et très positives pour une collectivité. Ben, ces réseaux-là, ils permettent de communiquer, d'informer et de faire en sorte que des collectivités comme les nôtres puissent aussi échanger dans des cadres un peu différents que ceux qu'on connaît d'ordinaire, qui sont des cadres plus institutionnels. Donc, je trouve ça très bénéfique. Dans ma position, qui est celle de nouvel élu, c'est très, très important d'avoir des lieux d'échange, d'échange de bonnes pratiques, d'expériences en matière d'innovation démocratique. Et il me semble qu'on a tout à gagner à pouvoir bénéficier des expériences d'autres collectivités qui se sont lancées là-dedans. Il y a aussi un gros travail d'acculturation qui convient d'opérer dans les collectivités, aussi bien des élus que des agents dans les services. Instituer une délégation à l'innovation démocratique, nécessairement, ça a conduit à devoir bouleverser un petit peu, bousculer un petit peu les habitudes, les manières de faire et savoir comment les autres ont fait, quelles sont les méthodes qu'ils ont pu employer, c'est extrêmement riche d'enseignement. Donc moi, je suis extrêmement favorable à ce que l'on puisse bénéficier de ces réseaux afin de pouvoir justement échanger sur nos pratiques respectives. Moi, en tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation démocratique, l'innovation en termes de participation, elle est plutôt dans les territoires. Et il y a très peu de règles qui existent au niveau national pour nous dicter nos façons de faire, pour nous imposer un modèle un peu unique. Donc, du coup, ça laisse le champ libre. Et c'est ça qui est formidable dans notre domaine d'activité, ça laisse le champ libre à l'imagination. Je pense que l'innovation, elle se trouve dans nos territoires. Et du coup, on a tous des pratiques très différentes et très innovantes qui peuvent enrichir notre réflexion. Et donc, du coup, il faut qu'on multiplie les occasions de se rencontrer et de discuter. Alors moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose parce qu'au plus on aura des lieux où on peut échanger sur nos pratiques, sur nos ressources, sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné, on sera tous gagnants. Là-dessus, c'est assez évident. Le fait de se nourrir entre praticiens, mais pas non plus qu'entre praticiens, aussi avec des gens qui ont vécu en tant que participants ces participations-là, je pense qu'il y a de la dynamique à créer, d'apprentissage collectif. Et les réseaux sont indispensables pour ça, pour ne pas mettre notre énergie sur des choses qui seraient finalement néfastes ou inutiles. Cette construction de réseau, c'est clairement la première étape, là aussi, ou du moins une étape complémentaire qui impulse après la démarche citoyenne. Il y a un effet un peu comme ça, descendant, de ruissellement. Alors, c'est un ruissellement qui serait plutôt positif. C'est à minima ce qu'il faut faire. L'écueil principal qu'on rencontre, c'est la compréhension. Où chacun est dans sa posture, sa certitude, qui n'est pas du tout illégitime. Mais si les gens ne se parlent pas, on tourne en rond et on n'avance pas. Donc, ça me paraît être le minimum syndical qu'il y ait ce premier écosystème entre l'outil de démocratie participative, les élus, et les services. Ça me paraît vraiment le minimum syndical. Et je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, je pense que c'est assez essentiel. En tout cas, nous, au niveau de la ville de Paris, on est heureux de pouvoir s'insérer dans ce type de réseau parce que, en effet, la participation citoyenne, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit au quotidien sur le territoire, en fonction de chaque territoire. Je parlais de la diversité et de nos territoires à l'échelle de la France, c'est ce qui fait notre richesse. Et il faut aussi que ça puisse nous enrichir dans notre manière de concevoir la participation citoyenne. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il est aussi extrêmement utile d'avoir des réseaux d'élus, de collectivités, mais pas seulement d'élus et de collectivités, mais aussi d'agents
gens qui travaillent au quotidien sur ces thématiques pour avoir, comme vous le disiez, des échanges de bonnes pratiques, pour s'enrichir mutuellement et nourrir la réflexion. Voilà, je pense que c'est absolument essentiel de pouvoir échanger, de ne pas être chacun dans son coin à faire sa feuille de route et à la mettre en œuvre, mais de regarder toujours un peu avec une vision 360, de regarder ce qui se fait autour de soi, de s'en inspirer, de se challenger aussi, parce que c'est bien parfois d'être un peu challengé et de dire « Tiens, celui-là, il a fait un super projet ou une super innovation démocratique. » Voilà, moi aussi, j'ai envie d'avoir mon projet phare et donc de pouvoir se challenger aussi. Je pense que c'est ça aussi quand on veut aller plus loin, aller vers des objectifs qui soient toujours plus hauts, de pouvoir aussi se challenger, d'échanger, de se nourrir mutuellement. Pour moi, ces moments, ils sont hyper importants. On a déjà participé à plusieurs webinaires et on a hâte de participer aux rencontres annuelles dans quelques jours. Ces moments, ils sont vraiment importants parce que c'est vraiment des moments d'inspiration, de se dire qu'est-ce qui marche moins bien chez d'autres collectivités. Évidemment, on est super contents de faire partie de ce réseau et on a hâte de poursuivre les échanges avec que ce soit les collègues et les élus.